la casquette qui fait du bruit qui est un petit peu présente. Ici c'est ma raison, je connais bien. C'est, pour moi ça veut dire quelque chose de revenir ici, de faire de la snack ici. C'est une super jolie ligne, super jolie cadre, c'est top. Qu'est-ce qu'on prend sur le film comme ça? Quand on débute, on a plein de sensations qui arrivent, on a peur, on essaie de se contrôler et puis on n'arrive pas forcément à marcher. Et quand on commence à y arriver et à être plus serein, c'est assez sympa comme sensation de savoir qu'on est capable de... Après, je descends de la ligne et je me rends compte que je suis capable de faire ça, de marcher sur un fil alors que ça a l'air incroyable. Et quand je suis dessus, je me dis, bah, soit je suis pas bien et j'arrive, je me bats et j'essaie de respirer je pense pas au vide, je pense pas à rien, je pense juste à rester en équilibre. Et puis quand j'y arrive bien, quand je suis pas en difficulté, je pensais que là je suis en hauteur, que je suis en train de faire l'équilibre, que je suis au milieu de l'air et que c'est incroyable. Je peux essayer de mettre des sensations, de regarder en bas, de voir, regarder à côté, de voir ce qui se passe. Et ça, c'est d'y arriver, c'est vraiment bien. Ça apporte beaucoup de sensations. C'est un peu comme un genre de méditation. Quand on arrive à être suffisamment calme dans sa tête et dans son corps, ben, on arrive à tenir en équilibre. Ça veut dire qu'on est bien dans sa tête. Et justement, c'est vrai qu'on pense à quoi quand on est sur le fil comme ça pour